Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Profil Hebdo, yon condensé actualité, c'est maintenant. N'ap démarré ak marché changelant pour nous faire connaître, taux référence BRH là pour journée 1er octobre, c'est 117 gouttes 70,47 pour yon dollar américain. Taux moyen acquisition, s'acquérir les TMA, pour journée 30 septembre 2022, d'après calcul Banque Centrale, tabli à 123 gouttes 61,82 pour yon dollar américain. Sous marché informel là pour journée 30 septembre 2021, dollar américain était à 117 gouttes 75 à l'achat, d'après sa banque centrale fait connaître, et était à 124 gouttes à la vente. En dans banque, dollar était négocié à l'achat à 117 gouttes 67,44 et à 123 gouttes 61,82 à la vente. Peso dominicain restait stable par rapport à dollar américain pendant semaine non. Pour journée samedi 1er octobre là, les 52 pesos 50 pour yon dollar à l'achat et 54 pesos à la vente. On regarde ensemble qui j'en s'atteyer sous marché matière première yo. Prix baril pétrole index WTI fait yon baisser à 2.1% pour fin mai journée vendredi 30 septembre non à 79,49 $. Association professionnelle pétrolio, APPE, invite l'État haïtien rendre terminal varé accessible yon manière pour toute pompio capable acheter quantité gaz suffisant avant même yo fixer nouveau prix yo, non l'idée pour ta éviter yo fait d'appiamp sous pompio ou bien détruit yo, d'après yon lettre président APPEA, Randolph Rameau, te adressé à ministre finance Michel Patrick Boisvert, 22 septembre passé ya. Babad, c'est le premier pays qui pral bénéficier 300 millions de dollars à travers nouveau fonds FMI qui disponible pour lutter contre le changement climatique. Là. Fonds ça créé dans l'idée pour aider pays qui plus pauvres et plus vulnérables adapter yo à changement climatique. Réchauffement planète là, la cause grand goût a augmenté plus chaque jour. Environ 1 million moun risque mourir dans grand goût si aucune aide pas débloquée dans mois kap vini la yo selon Nations Unies. CARICOM lancé lundi qui saute passé là yon nouveau plateforme régionale pour faciliter commerce bien ak produits agricoles entre régions yo. Échange sa yo ap fait à travers yon plateforme qui pote nom SimSoupro. Côté entrepreneur CARICOM yo pral offri produit yo sorti dans matière première pour arriver dans produit fini. Économie mondiale là pral progresser à 2.2% d'après Organisation Coopération et Développement Économique yo OCDE qui baissait à 0.6% prévision l'été fait pour mois juin passé à cause taux intérêt yo qui montait dans l'idée pour combattre inflation avec la guerre qui était déclarée entre la Russie et Ukraine. Pète dynamisme économique l'invisible dans tout le monde là, mais surtout dans pays européen yo, d'après OCDE qui toujours kembe augmentation économique mondiale là à 3% pour l'année 2022. C'est là nous mettions bout à Profil Hebdo pour semaine ça. Merci parce qu'il t'a coûté. Rendez-vous cassé pour week-end prochain.